Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Exa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur Pokémon Rosa. Donc, je vais juste un tout petit peu augmenter le son, et ça devrait être bon. Donc, pour faire la Ligue Pokémon, et aujourd'hui quelque chose d'assez particulier, on va pas faire la Ligue Pokémon normale. Je vous avais déjà enregistré en fait la Ligue Pokémon normale, puis bon, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais tenter donc de battre la Ligue Pokémon, donc pour la deuxième fois, avec un seul Pokémon. Donc pas du tout ça, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Voilà, hop, c'est Pokémon. Donc je vais battre la ligue, enfin tenter de battre la ligue avec un Charmina. Donc voilà, Charmina level 70, on le voit pas mais voilà. Donc avec une nature moins attaque SP plus vitesse, qui est donc pressé, non, jovial, bah oui, jovial, que je suis bête. Donc voilà, donc avec les attaques, donc pied voltube, psycho boule, gonflette et point glace, normalement ça devrait plutôt bien se passer, on verra bien. Donc vous avez que l'écran du haut, contrairement à la vidéo contre la musique. Donc à la vidéo contre donc la capture de Rayquaza, tout simplement parce que bah, ça durait bien plus longtemps et donc du coup, bah je sais pas, j'ai préféré. Ok. J'ai préféré. Ailleurs prévoir. Donc je ne sais pas du tout. C'est la première fois que je refais la ligue. Je sais pas du tout. Je pense qu'ils sont aux alentours du niveau 65. Pour 5 niveau 70, ça me semble plutôt pas trop mal. Et puis voilà. Donc on va affronter Damien. Oh là là, la musique. Alors, Damien. Donc après, ça sera Spectra Glacia. Puis. On sait pas comment il s'appelle, l'homme sans nom, l'homme dragon, je ne sais plus comment il s'appelle, bref. On s'en fout un peu. Bagaïd. Ah! Ils ont changé de Pokémon. Parce qu'avant, il avait un Grayena. Du coup, ouais, non, il a quand même intimidation. Bon. Je pense. Est-ce qu'il va faire Ventardis? J'en sais rien. Donc, j'ai prévu des objets de combat. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop. Donc je vais utiliser précision déjà. Donc pour que pied voltige passe bien plus. Ma chouille ça fait mal. Ok. Ça fait mal mais je peux en encaisser encore un autre. Donc on va faire. On va déjà méga évoluer. On va faire gonflette. Donc histoire de prendre plus de défense. Et également plus d'attaque. Comme ça on annule l'intimidation. Ok. Gonflette. J'ai oublié de remettre les animations combat. Si ça te dérange vraiment, on verra bien. Hop, objet. Donc on va. Il est au combien? Putain, 70, j'avais pas vu ça. Je vais juste descendre un peu l'écran. Parce qu'on voit pas le nom du Poké en face. Bon, au pire, c'est Bagaïd, hein. Vous connaissez tous, à peu près, je dirais. Et on va refaire donc une gonflette. Donc j'ai prévu également donc des attaques plus, des pressions plus, une vitesse plus, une. Je ne sais pas. Oh le critique, ça fait mal. Donc oui, donc qu'est-ce que j'ai prévu? Donc défense plus, défense P plus, vitesse plus, etc. etc. Histoire de bien faire. Donc j'ai 20 hyper potions également. Donc là normalement ça devrait aller. Donc pour là, on devrait pouvoir faire. Ok. Alors on est à plus 1 en attaque. Allez, on refait une gonflette parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a derrière. Et la charge est vide presque, on s'en fout, ça continue de fumer, bah oui, bien sûr. Ok, il faudra que je le charge. Bon, il reste du temps. Ok, donc on a refait notre gonflette. On va réutiliser, ouais, on utilise une hyper potion, j'ai pas envie de faire le con, on sait jamais s'il fait un critique ou autre. Je veux voir combien de points de vie il me fait perdre exactement. Ok, très très peu, 50. Non, je ne sais pas compter, 40. Et on va faire pied voltige. Donc je ne peux plus rater. Ça fait 130 plus. Donc je dois être à plus 2 en attaque. À cause de l'intimidation. Ok, on monte un peu en EV. En EV, oui, en XP. Vaututrice. Alors Vaututrice, pied voltige, ça va pas faire grand chose parce qu'il vole également. Donc on va faire point de glace, simplement. Ça devrait bien passer. Hein. Normalement, ouais, c'est très bien. Vaututrice ennemi est KO. Très bien. Bon, là, maintenant, je pense que ça va être un peu prévenu pour lui. Je pense pas qu'il va pouvoir faire grand-chose. Je me suis bien placé. Bagaïd est un bon poké, mais il fait pas assez mal. Malheureusement, à Charmina. Oula. Voilà. Hop. Je recale bien. Une fois, voilà, il va y avoir. Oula. Voilà, des
des petits tremblements de terre, de... Hop, attendez, ouais, pied voltige. Oui, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Il va y avoir des petits tremblements. Ah, Zora, que. Il va y avoir des petits tremblements de caméra parce que c'est la vie. J'ai envie de dire. Tangalis. Non, pourquoi? Parce que en fait, je filme avec mon appareil photo. Enfin, mon. Ah, oh, putain, merde, mais du coup, j'ai mal centré. J'espère que ça se verra pas trop. Hein. On verra bien. C'est vraiment chiant en fait de pas avoir de capture board. Je trouve ça vraiment chiant. Ok, un critique. Putain, il va déjà attaquer. Attends, je remets ça bien. Hop, voilà. Ok. Et donc on va partir pour un. Attends, il est chiant en fait. Qu'est-ce qui va pas? C'est ça. Il faut que je le baisse un peu. Voilà. Très bien. Alors, Sharpedo. Sharpedo, on va user un pied voltige. Enfin, user, c'est pas vraiment le mot. Oh là, ah, ok, d'accord. Ok. On va voir qu'est-ce que c'est le dernier. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Absol. Level 60. Je vais vérifier un truc. Parce que je ne suis sûr de rien. Je vais regarder un truc sur Wikipédia. Parce que je ne suis pas sûr. Et là, ça pourrait tout foirer. Donc, j'ai une base stat de vitesse, je crois, de 80. Voilà. Donc, je suis en méga, donc j'ai 100. Et Absol, donc 100 méga. Absol. Hop. Absol, lui, je crois, il a moins. Il doit avoir 90, je dirais, un truc comme ça. Il a ouais, même 75, ça doit être en méga qui a 70. Ok. Bon bah du coup ça passe, on peut attaquer avant. Ok, méga. Méga Absol. Mais de toute façon la vitesse n'est pas encore prise en compte. Donc je le dépasse. Et donc pied voltige qui one-shot le petit Absol. Très bien. Bon, premier spécialiste fait assez rapidement. Hop, voilà. J'ai battu le type du conseil 4, donc Damien. Donc la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Décidément, machin. Hop, on s'en fout. Hop. Ok, donc re tout le monde, il y a une petite ellipse tout simplement parce que j'ai préféré transférer la vidéo donc directement sur mon ordi histoire qu'il n'y ait pas de coupure pendant ce petit combat. Donc j'ai soigné le petit Charmina et on va aller affronter Spectra tout de suite. Donc le deuxième membre, donc je pense que si on passe en fait ce membre, donc Spectra, on passe tout le reste. Voilà, on verra bien, mais je pense que voilà, en fait ce qui risque le plus de me faire chier, c'est les Balombres, un peu foireux, qui peuvent baisser la défense P. Et donc après, sûr, si je me prends, voilà, un petit... Ok, bon déjà, elle a un bras net. Bras net... Bon, voilà. De toute façon, il faut mettre une précision plus. On n'a pas le choix, sinon c'est la fin du monde. Donc, on va le mettre. Donc, il y aura sûrement une coupure entre rancune, c'est quoi cette merde? D'accord, bon. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? On s'en fout. J'ai vraiment envie de mettre une défense P. Également, qui est brume. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas compris là. Ok, brume. J'espère que c'est pas. Non, non, c'est. Non, je crois pas que c'est. Non, c'est anti-brume. C'est pas brume. Non, même pas. Je crois même pas que ça enlève les stats. Bon, je sais pas. Mega Medicham. C'est parti. On a plus beaucoup de vie. Normalement, avec la défense pure en plus, je devrais mieux résister. Ok. Bon, petit coup de boule, ça tue Branette. Ça, c'était prévisible. J'espère qu'il m'a pas illuminé en fait, annulé boost. Parce que ça me ferait bien chier. Oh putain, merde. Ok, bon, là c'est la mauvaise idée. La mauvaise idée, la mauvaise idée. Pourquoi? Parce que il a boom final. Sais pas qu'est-ce qu'il y a en 6.
Je vais faire gonflette parce que j'attaque avant. J'encaisse bien. Petit coup de boule, très bien. Bon final. Ok. Ok, bon, gros drive, ça fait un peu mal. Bon, on a plus def, plus attaque, plus défense P. J'ai terminé une level 72, plus 4 attaque, ça c'est cool. Ok. Brume se déquille. Oh, ok, bon. Oh merde. Ah, oh, magie rêve. Magie rêve, j'ai combien de niveaux de plus que lui? 1. Hein, nature plus vitesse, parce qu'il y a 105 de base stats. On tente, hein, de toute façon on peut rien faire d'autre. Okay. Je le dépasse, mais alors de pas beaucoup. J'ai vraiment de chance, parce qu'il a 105 de base stats vitesse, mais j'y rêve. Heureusement, il a pas du tout de défense, donc c'était soit lui qui attaquait en premier, il me tuait. Là je vais regarder parce que le glab je le connais pas du tout. Là-bas. Je pense que je peux le tuer, mais est-ce que j'attaque en premier 80, il y a 90 de défense. Alors, logiquement j'attaque avant. Est-ce que je le tue? Oh merde putain, ça je savais que ça allait arriver, j'y crois pas. Je me suis dit, est-ce qu'il a corps ardent? Et ah oh, putain, ok, bon, on va devoir utiliser une guérison. Ok, donc Noctue Noir, heureusement il peut pas faire, je dirais, énormément de dégâts. Non, on va pas lancer une boule, qu'est-ce qu'il fait lui? Guérison sur Charmina, comme ça c'est régène sa vie et ça lui enlève son statut. Ok, châtiment. Et ouais, je prends pas énormément de dégâts. On va faire psycho de boule. Ok, c'est one shot. Ah bah coup critique, j'ai eu de la chance. Parce que je pensais pas que ça le one shot. Bon. Alors, est-ce que je fais une coupure parce que ça fait 4 minutes? Ah merde, il en reste un. Ok, d'accord. Ténéfix. Ah. Bah je suis dans la merde. Est-ce que je peux pas le toucher avec ses coups de boule? Mais j'ai dû faire point glace. J'ai... Ah, je suis mid life presque. Ténéfix, faut que je voie un peu ses defs. Je pense que... Putain, en plus il va méga. Ok, alors si méga... Ok, donc je suis complètement dans la merde si méga. Je sais pas, l'absol avant il avait méga. Bon, on va utiliser une hyper potion. Parce que je one shot pas avec point glace, je pense pas. Ah non. Bon, il y a beaucoup de défense. Hein. Passer s'il m'attaque pas en spé, s'il continue comme ça, ça va. Ok, griffon, allez, 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 résistez. Bon, pas de crit, et voilà. Ok, j'ai peur. Ok, bon, finalement, on va faire une coupure. Je disais avant, donc je sais pas si je fais une coupure parce que ça fait 4 minutes, mais là ça fait presque 7 minutes cette seconde partie. Donc je pense qu'on va faire une petite coupure histoire d'être sûr parce que j'ai pas vraiment pas envie que ça me lâche en cours. Ok, dommage, j'ai encore perdu. Très bien. Bon, on va soigner le petit Charmina. Charmina, Charmina, où es-tu? Il est là. Ok, donc re tout le monde. Donc c'est bon, j'ai transféré mes vidéos. Et donc du coup, on va pouvoir continuer. Donc j'ai appris donc juste à Charmina tombe rush à place de gonflette parce que il me semble. Enfin, c'est pas il me semble, c'est elle a un môme arctique. Môme arctique me fait très peur. Surtout qu'il ne craint pas le psy. Donc voilà, donc j'ai préféré faire cela.
On n'utilisera pas complète, c'est pas bien grave. On la remettra peut-être après, on verra bien. Quoique, je ne sais pas. On verra bien. Ok. Glacia du Conseil 4 veut se battre. Mango. C'est parti. Elle envoie un Blizzard Roi. Alors, Blizzard Roi, qu'est-ce qu'il peut me faire? Alors, Blizzard Roi, il est physique, je dirais. J'ai juste regardé un truc par rapport à Blizzard Roi. Parce que, est-ce qu'elle peut envoyer la méga dès le début? C'est ça qui me fait un peu peur, hein. Au final. Bon. On va partir sur. Sur non. Sur elle ne va peut-être pas le faire. Donc on va utiliser un précision. Plus, oui. Hop. Ah, marteau bois. Bon, on lui fait du x2. Avec. Pivotage. Donc on va tester tout simplement. Blizzard Roi, il est quand même. Ouais, il a pas mal de défense, mais ouais, je pense qu'il a défense correcte. Donc je passe le tu. Je suis seul, c'est très bien. Faudra que je pense à remettre les animations en fait, parce que je viens de voir maintenant qu'elles y sont pas. Bon, au pire, hein, c'est pas bien grave. Ok, donc je suis touché par la tempête de grêle. Ah merde, ça va être chiant. Oh non. Elle augmente son esquive en fait. Enfin, Momartic augmente son esquive. Sous la neige, je crois. Un truc comme ça. On va utiliser une hyper potion. Je crois que c'est pas extrêmement bien cadré. On va remettre un peu. Voilà. Je récupère mes VV. Pas de défense P. Oh. Là là. Bon. Faut pas se faire retoucher. Hein. Faut pas en SP. Moins. Qu'il tombe roche. Il est mort. Il est mort. Très bien. Ah putain. C'est chier ce. Baisse de défense P là. Ok, niveau 73. Qu'est-ce qu'on a comme montée? Beaucoup de vitesse, c'est cool. Polar Griff. Polar Griff, il est pas très rapide, je crois. C'est bon, ça passe. Ok. Bon, il reste 3 pokés à faire. J'ai presque plus de vie pourvu que la grêle s'arrête assez vite. La grêle s'arrêtait très bien. Morse. Puis voltige. Je pense que ça le tue. Non, c'est bon. Je vois pas en fait par rapport à mon portable. Faudrait que je regarde dessous sur la DS, mais j'ose pas. J'ose pas. Voilà. What? Scorboule. D'accord. 60. D'accord. Bon, on va quand même utiliser une hyper potion. Parce que Scorboule, il peut me faire très très mal, et je pense que derrière, vu que tout le monde a une méga, j'ai l'impression. Bitch, please. On va utiliser une hyper potion. Parce que Yggdrasil, il me fait un peu peur. Putain, il fait trop mal lui. Hein. La baisse de défense P, c'est fou quoi. Pied voltige sur Scorboule. Très bien. Glalie va faire très mal. Ah, c'est Glalie, putain. Ok. Bon. J'étais pas sûr, je me suis dit peut-être qu'il va avoir Blizzard Roi en méga. Ça pourrait être pas trop mal. Donc, que dalle. Bon. Bien voir. Méga évolution. Alors, je sais pas si c'est une attaque qui gèle automatiquement, mais si c'est ça, c'est vraiment cheaté. Hein. Ok, une guérison. La baisse de défense P fait tellement mal. Mais c'est quoi cette attaque, putain? Quoi? Mais attendez, vous allez pas me dire que c'est une attaque qui gèle automatiquement? Putain, mais c'est overcheat.
S'il me regèle. Ok, non, donc c'est pas une attaque qui gèle automatiquement. Puis voltige. Il est mort. Très bien. Ok. Bon. En Iglis, ça s'est bien passé, finalement. Putain, cette attaque cheatée, quoi. T'as la chance du mec, de la meuf, là. Il neige dehors. C'est. Voilà. C'est très la neigitude. Ok. Bon, on gagne un peu de thunes, mais bon, on s'en fout. 6 minutes. Bon, je vais au moins la couper pour reprendre la prochaine partie. Donc, bon, on va soigner. Attendez, on a encore un petit peu de temps. Je vais pas non plus laisser là. Hop, on va prendre ça. Du coup, je pense qu'on va faire apprendre. Où est-ce que c'est? Ça va faire apprendre gonflette à Charmina. Pourquoi? Parce que dragon tape physique, il me semble. Enfin, pour la plupart. Donc, ton broche. Ouais, non, je suis point de glace, ça fait bien plus mal. Ok. 1, 2, 3, j'oublie ton broche et j'apprends. Gonflette. Très bien. Donc, je vais juste vérifier quelque chose encore une fois avant. C'est le nombre de PP, puis voltige, ça va, très bien. Ok. Bon, donc on va se laisser là et puis je vous reprends tout de suite dès que j'ai transféré la vidéo. Ok, et eh bien c'est bon, donc j'ai transféré et donc on se retrouve devant le champion de type dragon. Donc c'est parti, on va y aller. Donc j'ai remplacé, donc comme vous l'avez vu, oui vous l'avez vu, gonflette par... Non, j'ai remplacé ton broche par gonflette et je l'ai soigné, les PP sont à peu près bonnes donc c'est bon. Je sais plus comment il s'appelle lui, il s'appelle comment? Aragon, d'accord. Ok, bon, allez go, Altaria. Alors, Altaria, pour moi c'est le poké un peu useless, qui va faire qu'on va pouvoir monter un peu notre attaque et notre défense, avec gonflette. Parce que point de glace, donc ça a 100% de précision, hein. Oui, ça a 100% de précision, c'est Crogivre qui est passant. On fait gonflette, comme ça on monte notre attaque à plus 1 et notre défense à plus 1, côte aux gardes. Bon, ça va, de toute façon, coteau garde, tu vas prendre cher. Hein. Donc là, il va refaire coteau garde, ou comment ça se passe? Pouvoir lunaire. Ouh, one shot. On vise le one shot. C'est bon. Easy. Ok. Donc mon attack speed était baissé, je crois. Bon, on s'en fout un peu. Ouh. Allez, montée d'attaque et de vitesse. Beaucoup d'attaque et de vitesse. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Ouais. Bon, plus 2. C'est convenable. Libégon. Alors là, il faut faire gaffe qu'il n'ait pas d'attaque de priorité. Donc c'est bon pour lui. Non, si, il pouvait avoir vitesse extrême. Hein. Ouais, mais ça m'aurait pas tué. Hein. Quand même, voyons. Ok. Tranchoute. Ça va faire que du x1, x2. Mais à plus 2 d'attaque. Ça passe crème. Ah, coup critique. Ah, est-ce que j'en ai besoin? Je ne sais pas. Personnellement, je ne pense pas. Parce que quand même, à plus 2, on fait quand même des dégâts affolants. Oh putain, merde, je l'ai oublié lui. Ah, du coup, il prend que x1. Mais est-ce que ça passe? Allez. Ouais. On a tenté le one shot, on l'a fait, donc ouais, je pense que Tranchonon allait mourir aussi. Ok, il pourra. Son dernier? Non. Bah, allez, on tente il pourra aussi, c'est n'importe quoi. Et allez, one shot. Ok, donc en dernier, qu'est-ce qu'elle a? Méga Dra Attack, je pense. Enfin, il a Dra Attack. A nous deux, Méga Dra Attack. Tu me baisses mon attaque, mais c'est pas grave. Même à plus 1, c'est x4. Et ça fait des dégâts qu'il faut. T'es pas plus rapide que Charmina. Je ne sais pas trop. Non, t'es pas plus rapide. Tu prends cher. Ok, bon, bah alors là, ça aurait été du one shot complet. Pur et dur. Donc Charmina qui s'en sera magnifiquement bien sortie. 75, donc niveau.
Niveau 75, pas 75 niveaux. Ok, bon. On va bientôt donc affronter le champion de la ligue. Pour ceux qui ne le savent pas qui c'est, je ne spoil rien. Mais voilà. Ok, ouais, tête haute. Ok, donc on va soigner vite fait. Hyper potion. Voilà. Bon, on va laisser gonflette. On va, si. Avant. On va se mettre des PP. Les PP, elles sont au max elixir, c'est ça? Tous les PP d'une capacité. Ah d'accord, donc ça a tout remis, c'est ça? Bien. On va regarder vite fait. Ah bah ok, ça a tout remis. Bon bah c'est nickel. Ok. Bon bah on va faire quand même une coupure là, histoire qu'au montage je sois pas trop perdu et je comprenne un peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie. On sauvegarde parce qu'on sait jamais. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, à plus. Ok, donc c'est bon, donc re tout le monde. Donc j'ai transféré les dernières vidéos. Donc là on est tranquille. Pour finir cette aventure, donc enfin cette aventure, cette ligue Pokémon, car je vous rappelle c'est la deuxième fois donc que je la bats. On va donc maintenant affronter Pierre. Est-ce que je l'ai soigné? Oui, absolument, mon petit Charmina. Donc je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme Pokémon à part Mega Metalos. Je ne sais plus. Mega Metalos, je sais qu'on peut le battre très facilement. Voilà, faut juste bien se placer avant, c'est-à-dire avoir mis au moins, j'ai bien dit, au moins deux gonflettes. Au moins. Et donc, pas perdre de temps au début. Pourquoi juste on voit pas la fin? On va remonter un peu, voilà. Ok, Hermure. Oh merde. Hermure, c'est vrai qu'il a fermeté. Bon, alors. On tente? Allez, on tente. Alors, viens voir si on a de la chance ou pas. Alors, Mega Charmina. La puissance du Medicham. Ok, c'est bon. Fermeté comme je l'attendais. Va-t-il faire... Ok, il fait toxique. J'ai évité l'attaque. Bon, si mon fait toxique, c'est bon. Donc on va utiliser une précision plus sur Charmina. Gars, ils ont très bien. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Il a tout compris, ce petit homme. J'ai peur qu'il me fasse aéropique. Du coup, on va faire pied voltige. Fermeté. Aéropique. C'est ce que je pensais. Pied voltige. Ok. Bon, il a pas utilisé d'autres guérisons. Donc il va la garder, je sais pas trop pourquoi. Ensuite, Stressy. Alors. Oh merde. Stressy, c'est une mauvaise idée parce qu'il a. Il a fermeté. Hein. Oh là 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 là. Bon, alors un pouvoir lunaire. On va devoir le stall. Enfin, le pouvoir lunaire, c'est quoi? C'est 15, 10, 10, 15. Je vais aller voir. Pouvoir lunaire. Ok, donc pouvoir lunaire, donc c'est 15. Ok, donc il en a déjà utilisé 2. On va devoir faire comme ça pour ça parce que il nous fait trop mal. Nous fait trop mal si on... Ouais, non, on peut rien faire là. Ok, 3. 3 pouvoirs lunaires. Donc ça s'annonce un match très long comme je vous l'ai dit. Mais là on n'a pas d'autre choix parce qu'il a fermeté. Et si on l'attaque, donc il restera un PV, il nous attaquera, il nous tuera. Pouvoir lunaire, ça peut pas rater. Du moins je crois pas. Donc là, il en a utilisé 4. J'ai assez d'hyper potions. Il va me rester une hyper potion. Et bah non, pas d'hyper potion du coup, mais ouais, 5, ok. Il va pas m'en rester d'hyper potion. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il aura plus de pouvoir lunaire, je vais pouvoir me placer. Et là, ça sera bingo. Ouais, il me restera 2 guérisons quoi.
Ok. Hop. J'ai bien fait d'en prévoir. Ok. Sixième pouvoir lunaire. Jusqu'au moment où ça va arriver au crit. Hein. Et si je me prends un crit, je pense que je prendrai cher. Hop. On se re-soigne. Hein. Donc là, il y en a combien? 7. Donc 8. Ok, 8. Hop. Je sais pas si je vous aurais fait un accéléré, non. Bon, j'en sais rien, on verra bien. Ok. Ça fait terriblement mal, mon attaque SP doit être à moins 3. Vraiment, on n'attaque pas en SP, hein. Mais je vous le dis, parce que sinon, là, on aurait perdu. Je vais mettre Explo Force, mais non. C'est bon, finalement, et puis c'est très bien comme ça. Donc, on continue. Ok. Bon. Il en reste 5 à peu près, 5 points lunaires. Il en reste 4 maintenant. Après, on pourra se placer parce que. Mais il doit pouvoir, à moins qu'il ait. Bah, s'il a éclat magique, c'est vraiment abusé. Hein. Ok. Un autre pouvoir lunaire, bah dis donc. Vous en rendez compte combien de fois quand même l'attaque SP, mon attaque SP baisse? Je sais pas combien c'est la chance. Mais ouais, c'est comme l'autre là qui gèle. Voilà quoi. Ok. J'espère que. Qu'on n'a pas plus de 15. Hein. Ok, pouvoir lunaire encore. Heureusement que sa défense. Ça baisse pas la défense P également. Ok. Bon, après ça partira vite une fois qu'il en aura plus. Pff, attendez, mais là ça commence à me faire peur. Il en a utilisé plus de 15 là. Normalement, là si j'ai bien fait mon calcul depuis le début, là c'est son dernier. Quoi, se re-soigner. Il me reste 2 guérisons. On va bien voir. Ok, rayon gemme, très bien. Très bien, ok. Gonflette. Donc plus un attaque, plus un défense. Ok, bon ça. Coup critique, mais de toute façon on s'en fout. Il me faut beaucoup de défense. Pourquoi? Parce qu'il fait gagner un pacte. Le méga. Méga machin là. Et ça va me faire trop mal sinon. Ok, plus 3, plus 3. Défense P baisse. On utilise la dernière guérison. Puis il va falloir le taper. Et alors. Est-ce qu'on s'est fait chier pour rien? Putain, on s'est fait chier pour rien quoi. Je crois pas. Oh putain. Ok. Bon, mais il avait pas fermeté. Oh putain, merde. Lui par contre, il a fermeté. Lui par contre, il a fermeté. Pied voltige. Même pas? Ah si, ok. J'allais me dire what the fuck. Que de faire? On a une défense plutôt bien, donc c'est cool. On va faire point glace pour finir. Ah ouais, non mais. D'accord. Bon, au final, ça change rien parce qu'on lui nique sa fermeté avec petit point glace. C'est pas très efficace, je sais. Et on va faire pied voltige. J'ai failli faire gonflette et donc faire une petite bêtise. Je sais pas si j'ai un pack nous tue à ce moment-là. Ah là là, on verra bien. On verra bien. Kaorin. Kaorin, je pense que point glace lui fait plus de dégâts. Il est mort? Il est mort. Très bien. Il lui reste quoi? Il lui reste quoi? On est à un Pokémon, je crois. Ça doit être son dernier. Hop, attendez, il faut que je remonte ça parce qu'on voit rien. Faut que je résiste. Pas de brûlure, pas de brûlure, pas de brûlure. Putain, la trouille. Pas de brûlure. Hein. Non, non, non. Pas de brûlure, pas de para. Pas de para non plus. Ok, c'est bon. Terra et KO. Oh là là. C'est bientôt fini, Jean. C'est bientôt fini. Le défi va être réalisé. Allez, là, il me faut masse attaque. Ok.
Et Métalos. Oh yeah. Ok. Allez, on croise les doigts. Immig évolue également. Ça, je m'y attendais. Allez, Métalos. Allez. Yes! Ok. Et voilà. Ah, là là. Oh là là. Oh là, ça fait tellement plaisir de réussir ce défi. Ok. Oh, Métallocyte! Quoi? Mais attendez, mais. Enfin, on me l'a déjà eu. J'ai déjà eu, mais bon. Pas grave. Ok, je vais où là? Ah, ok, d'accord. Il m'emmène quand même au Panthéon. Ah là là, et on va voir la petite. Le seul petit Charmina qui était autour de moi d'ailleurs. Ok. C'était partenaire de combat. Boum. Une Pokéball. Voilà. Oh là là. Un Pokémon. On a réussi à battre la ligue de level 2 de Pokémon Rosa. Avec un Charmina qui était de base niveau 70. Le défi est donc réalisé. Le défi est donc réalisé avec Medicham, le petit Medicham magnifique. Et voilà, donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment super. Je vais vite fait donc parler de mon point de vue donc par rapport au jeu. Le jeu donc est vraiment super, un peu court, je pense. Au début ça va, puis après les arènes s'enchaînent très très vite. Donc voilà, j'aurais préféré peut-être plus longtemps. Moi, personnellement, je l'ai fini en quoi 10 heures à peu près. Donc voilà, donc j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus long. Et sinon, un jeu énorme avec simplement un remake énorme. Voilà, j'ai vraiment aimé donc faire donc cette vidéo et également la vidéo donc sur Aikwaza. Donc maintenant, qu'est-ce qui va y arriver bientôt donc sur la chaîne? Donc je pense les concours Pokémon, j'essaierai peut-être de vous en faire un ou deux, puis voilà, je me ferai une team, peut-être chercher des shiny, on verra bien, et surtout des Wi-Fi battle. Voilà, faudra que je trouve le Magneto VS parce que du coup j'ai pas trouvé, mais bon, on verra bien. Et voilà, donc merci au Medicham donc d'avoir gagné. Hein. Bon, il m'entend pas, mais bon, c'est pas bien grave. Et merci donc à vous d'avoir regardé. Donc juste avant donc de finir donc enfin de clore cette vidéo, je vais donc nominer deux personnes donc pour faire ce challenge également. Donc s'ils veulent le filmer ou pas, voilà, ça dépendra. Donc je nomine donc Théofrost et The Dark Moon. Voilà, donc leur chaîne, enfin Dark Moon, voilà quoi, sur cette chaîne également. Donc on verra bien s'ils veulent le faire et s'ils veulent filmer donc. Enfin, s'il veut faire le truc en filmant. Et donc la chaîne à Théo, donc qui est dans la description. Donc allez jeter si ça vous intéresse pour voir s'il l'a réussi ou pas. Et puis voilà. Moi je suis très content et on se retrouve en tout cas très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Exa et Medicham. On se retrouve très bientôt. A plus tout le monde.